الأجهزة الكبرى للمملكة المغربية. واحد سعيد للجميع وشكرا. I'd like to give the official start for the fourth edition of the Grand Prix du Royaume du Maroc and good luck for all the shooters. Thank you. Le Grand Prix du Royaume du Maroc qui a connu durant les trois premières éditions un succès important en termes de participation, puisque nous avons vu que le nombre de pays augmentait régulièrement d'année en année. Il y a également le nombre de tireurs qui participent à ces éditions. Et aussi et surtout la qualité des tireurs, puisque le Grand Prix du Maroc est devenu un rendez-vous international sur l'agenda donc des compétitions internationales qui permettent à l'entrée de la saison sportive, puisque la programmation est importante pour aborder les grandes échéances à la fois en termes de Coupe du Monde, de Championnat du Monde, mais également de Jeux Olympiques. La particularité de cette quatrième édition, c'est qu'elle est classée pour la première fois dans le ranking international, qu'elle se tient sous l'égide de l'ISSF, c'est-à-dire la Fédération Internationale de Tir Sportif, et que les résultats seront comptabilisés dans la classification des athlètes à l'échelle internationale. Donc ce sont de nouvelles prescriptions, de nouvelles exigences, donc un niveau encore plus relevé cette année, et qui nous prépare donc à l'édition de 2022, pour lequel le Maroc a eu l'honneur et la responsabilité d'organiser la Coupe du Monde en 2022, ici à Rabat, dans le même club. Donc voilà, beaucoup de défis, et nous espérons qu'avec la très bonne organisation, mais également avec toutes les conditions de barrières, puisque nous sommes dans des conditions particulières en termes pandémiques à l'échelle internationale, nous voyons que c'est un défi supplémentaire à relever et je crois que toutes les conditions sont réunies pour y arriver.